Je pense à ces personnes si hautes dans mon estime, ces quidam qui résonnent, que ces mots deviennent leur hymne. Eux qui sans gloire font progresser le monde, ils donnent de l'espoir quand le tonnerre de la vie gronde. À vous tous qui créez votre bien-être en pensant à autrui, je vous dédie cette lettre en toute modestie, car grâce à vous vos actes, la terre se porte mieux, et c'est à votre contact que je souhaite devenir vieux. Toi qui fais confiance aux illustres inconnus, tu offres plus que de la chance quand tu mets ta vie à nu. Toi qui par tes sourires prends le temps de nous rappeler que la vie peut être un rire, qu'on doit le garder, le sceller. Toi ta générosité, ton amitié même d'un instant, qui relève tant des peaux lourdes au bonheur inexistant. Toi qui prends le temps d'écouter, d'entendre, de proposer, sans crainte d'être dérouté, de se méprendre, d'être transposé. Merci à toi dont les actions et les paroles combattent cette pollution qui mettra la terre en geôle. Ceux qui gardent quoi qu'il arrive leur intégrité incorruptible, sage, sans croire détenir la vérité. Ces agents d'éducation scolaire, populaire à la maison, les enfants sont votre mission pour parfaire leur raison. Vous vous battez pour leur pensée, leurs rêves, leur vie, pour ces futurs adultes penseurs libres. Je vous dis merci à ces voyageurs humanitaires, parcourant mer et mer, ces bienfaiteurs solidaires, bravant toute misère, au-delà des frontières, des barrières sur leur chemin, sans gloire, sans lumière, sans se défaire de l'humain. Ces hommes et ces femmes œuvrant pour la médecine, qui chaque jour combattent la mort et ses abîmes, ils portent la flamme d'un espoir même infime, sauvant des vies dans l'ombre, héros anonymes. Merci les musiciens, les peintres, les écrivains, à travers la culture, parfois partant de rien. Merci les comédiens, les danseurs, les circassiens et autres artistes, éduquant nos esprits kafkaïens, et toutes ces personnes mettant leur vie en péril, présents sur tous les fronts, protégeant chaque civil, combattant le feu, les crimes, les dangers sans douter, qui risquent leur vie sans hésiter pour nous sauver. Les généreux, les sincères, les gens humbles et honnêtes, à travers vos métiers, vos actions, vos mots, vos lettres, bien trop nombreux pour que je puisse tous vous citer. Merci de nous redonner foi en cette belle humanité. Je ne saurais trouver les mots pour dire à quel point penser à vous, vous rencontrer souvent me fait du bien. Restez ces personnes que j'admire, que je respecte chaque jour, en espérant que cela en inspire plus d'un en retour.